fait que les femmes travaillent. Est-ce que vous êtes pour? Le mari devra gagner suffisamment d'argent. Bien passé hier soir avec ton acheteur allemand? Fous-moi la paix, Suzanne. T'as tout accepté, tout. Tu fais semblant de rien voir, tu prends tes airs détachés. Pourtant, lui, il se gêne pas. Le pire pour moi, maman, ce serait de devenir comme toi. Une potiche. Ils vont débriller à la toutes les quatre. Écoute, Robert, si tu veux mon avis... Ton avis, quel avis? Tu as un avis? Je vous le prédis. Il y aura un durcissement de la grève. Étant donné son état, je pense que monsieur votre père devrait se faire remplacer. Pourquoi pas vous, madame Pujol? Maman, mais c'est une blague. Il est temps que nous reprenions le goût du travail commun dans la fraternité et la solidarité. Bravo, patron. Je présente un patronat souriant, juste, chaleureux. Mais bourgeoise nymphomane. Au fond, vous savez, je crois que vous êtes misogyne. Si je comprends bien, c'est moi maintenant la potiche. En quelque sorte. Maintenant, qu'est-ce que j'arrive d'en passer, ma chérie? Maintenant, je serai en avance sur mon époque. C'est bien la photo que vous possédez dans votre médaillon. Vous êtes la femme de ma vie, Suzanne. Et si nous faisions notre vie ensemble? Enfin, qui c'est le patron ici, nom de Dieu? Moi.